qu'on peut pousser le bouchon et dire merci à l'autre, puisqu'il aura participé à te révéler finalement? Non, on va pas dire merci, mais on va pas cracher dessus non plus, même si c'était bien malgré lui. Ce que je suis aujourd'hui également, même avant ça, c'est également grâce à lui, parce que si j'ai pu faire les formations que j'ai faites aussi auparavant, si j'ai pu voyager autant, même culture, c'est grâce à lui. Il ne faut pas qu'aujourd'hui il compte de soi. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on me donne l'opportunité de m'exprimer dessus. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé était tellement tragique et douloureux qu'on peut à ce moment-là oublier tout ce qu'il y avait de positif. Il y a eu énormément de positif derrière, parce qu'il y a eu des études qui ont été financées, il y a eu du soutien financier, il y a eu du soutien moral lorsque j'en avais besoin. Donc non, ce n'est pas un merci à cause de cette histoire-là. Mais c'est un merci global, parce qu'au final, si j'en suis là aujourd'hui, c'est plus ou moins grâce à lui également. Ça fait 7 ans maintenant.